59, boy. Mais personne se respecte, personne se respecte. Les gens sont malhonnêtes, c'est triste à dire en fait. L'histoire qui se répète, le monde entier en mode guerre. Le monde entier en mode guerre, aucun pays n'est à l'abri. 59, 800, c'est la force et le sang. L'histoire elle se répète, que les gens sont si malhonnêtes. Y'a plus de respect nulle part, ouais c'est clair, regarde ce monde. T'as pas besoin d'y aller très loin, juste en matant la télévision. Mais putain de merde, je vois que des guerres et des conflits. L'atrocité n'a pas de limite, bon sang de bonsoir. Je ne comprends pas ce qui se passe dans ce monde. Personne ne respecte rien du tout. Pour une histoire de couleur, de peau ou de conviction, on t'affiche à la télé, on te traite comme un chien, tu sais. Ça y est, ils ont parlé d'attentats, ça y est, ils vont recommencer leur délire. Tous les ans, c'est le même délire, tu sais. Ils ont parlé des gilets jaunes, ils ont dit qu'il y avait un attentat qui avait fait tout péter, qu'il y a des morts, Allah, une vérité funeste. Ils manipulent, ils jouent sur la peur de l'autre, c'est un trop triste constat. Mais la France est dégueulée depuis le 11 septembre 2001. T'auras constaté que c'est comme les steaks, mais en miniature. Ce monde part, on s'est dessus, l'édifice est parti en fumée. Faut pas se voiler la face, on peut compter que sur soi. Même triste vérité, si on est en mode guerre, tu croyais quoi? C'est nous qui allons gagner. La force est dans la force, la force est dans la culture, et dans la force, la religion, la foi et l'esprit, ça nous aidera à être meilleurs. Mais ils ont pas encore compris ça, parce que les gens là, ils ont même pas la foi, rien dans la tête, pas de mental, pas d'état d'esprit. Faudra comprendre ça, tout ça, il sait pas, rien ne va plus, je suis lessivé. Marre de voir des atrocités, marre de voir des effusions de sang, marre de voir des gens s'auto-exploser. Marre de voir des conflits et des guerres dans le monde entier. Personne n'est à l'abri, l'Europe, les States, l'Asie, l'Amérique latine, bref. Putain de merde, y'a que des atrocités, ça n'arrête jamais, les effusions de sang maquillées. On est au centre du monde, Paris, la France, tout ça, ça tombe vraiment par rond, la haine et les sionistes, les banquiers, les manipulateurs. Putain de merde, l'échec est, mais l'échec est fatal, ici pas, t'as pas encore compris. C'est l'Europe qui manipule les lois, ici pas, on comprend plus rien, l'histoire de Rothschild et toutes ces conneries là à faire. J'en ai vraiment marre d'entendre parler de BFM Télé, tous ces bandes d'enfoirés, c'est pire que des sionistes en fait. Ils jouent sur la peur du prochain et d'autrui, ils se font du business, un intérêt comatin, mais putain de merde, y'a rien, y'a plus de fondation, y'a plus de savoir-faire, fiston, mais putain de merde, tellement tout le monde a mis des œillères devant leurs yeux. Il faut toujours attendre le baril du pétrole qui augmente, ils vont augmenter l'essence et ça y est, ça fait la bombe, ah tu sais, ça fait bang bang bang, y'a plus de respect ici, les fondations sont multi-équilibristes, mais putain de merde, je sais même plus parler tellement, je vois d'horreur partout dans ce monde-là, en effet. On nous parle d'Afrique, vous saignez l'Afrique, vous payez l'Afrique, vous pillez l'Afrique, vous vendez les armes, vous les tuez, y'a des génocides, mais vous le savez, vous masquez tout ça à la télé. Vous avez déjà oublié la Birmanie, Haïti, vous avez oublié l'histoire, vous avez oublié l'Irak, tous les pays que vous avez convoitisés, les richesses de pétrole, une histoire de pétrole ou d'or ou de cuivre, peu importe, je referai pas l'histoire. Mais j'en ai ma claque, on se fait manipuler de regarder ces foutus télévisés. Putain de merde, j'en ai ma claque. Putain de merde, moi je squatte juste sur mon fond tel. La télévision c'est juste pour passer mes putains d'instru. Et ouais, ça me casse la tête, le moral à zéro, c'est clair. Le moral dans les choses, cette putain de merde, y'a que des misères. Déjà en ce front, on voit que la précarité s'agrandit. Alors imagine le tiers monde, qu'est-ce qui se passe à rapper. Personne ne respecte rien, les parfums, putain de merde. Ici le son c'est comme un parent, putain de merde, j'ai pas le parent. Mais ce monde me donne la gerbe, la vérité si je mange, je vois que des horreurs et des atrocités à cette heure-ci.